Bonjour, moi je m'appelle Ivan Bitka, j'ai 22 ans, je pratique la lutte libre, j'ai été plusieurs fois médaillé au championnat de France et je suis coach au club Raclut depuis maintenant 4 ans. Moi j'habite à Paris et je suis confiné dans mon appartement. Pour moi le confinement se passe assez bien, je suis en bonne santé, pas de problème particulier. Je suis en télétravail, donc ça occupe bien mes journées, donc tout va bien pour moi. Un entraînement par jour, donc j'ai la chance d'avoir assez d'espace dans ma chambre, j'ai quelques haltères, j'ai quelques élastiques et j'ai tout ce qu'il faut pour me faire un bon petit programme. Donc un entraînement au minimum par jour, voire deux. Alors c'est pas un objet indispensable, mais c'est un bon kiff pendant ce confinement. Donc pour moi, c'est mon petit barbecue ici. Donc je me fais une bonne viande le soir sur le balcon. Pour mon équilibre alimentaire, j'ai un peu réduit les portions parce que je me dépense pas autant qu'une journée classique où je travaille toute la journée et j'ai un entraînement collectif le soir. Mais je mange quand même 3 fois par jour. Et puis au niveau poids, ça va, j'ai pas trop bougé, j'essaye de maintenir. Comme série, je vous conseille Mad Men, qu'on retrouve sur Netflix et qui montre la vie d'une agence publicitaire dans les années 70, qui est très intéressante d'ailleurs, à voir. Et puis comme film, hier j'ai regardé Coach Carter, également très très intéressant, ce qui montre qu'il faut avoir une bonne discipline dans la vie et ne pas se laisser aller, surtout pendant ce moment, pendant ce confinement. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver le club et de revoir tous les athlètes et faire un grand entraînement commun. Une seule chose à dire, comme nous le dit le gouvernement, restez chez vous et prenez soin de votre famille.